Un, deux, trois. Purée, qu'est-ce que tu prends? Ouais, mais ça, c'est pour les enfants, ça les amuse, regarde. Regarde, je suis tout gay. Pimponel. Bon, alors, Zinine à Marseille, vas-y, Nicolas. Tu vas prendre une tarte, toi. Ouais, Zinine à Marseille. Tu vois, toi, bon, tu vois ce que c'est? Interdiction aux Marseillais de faire match nul. Ouais. Alors, je parle même pas de la défaite. Alors, c'est la vrai défaite, que... c'est l'élimination, on est d'accord. C'est un petit peu la sardine qui bouche le port, tu vois, à Marseille, tu vois, parce que quand on voit le début de match contre Zelina, Marseille avait d'autres tensions et un pénalty qui n'a pas été sifflé pour les Zelina et ça a été très, extrêmement compliqué. En ce moment, Marseille gagne contre le cours du temps à chaque fois. Compliqué, hein. Zelina, ils n'ont plus rien à espérer. Donc, moi, je vote Marseille parce que Didier Deschamps a fait un bon coaching, là, justement, par rapport à la Coupe de la Ligue, où il a reposé certains cadres, notamment tout le secteur offensif, Valbuena, Rémy et Gignac. Donc, je pense que ces mecs-là vont être vraiment avec les dents qui vont rayer le parquet. Et je les vois bien s'imposer à Zelina. Pas facilement, hein, mais ça va être compliqué parce que je pense que Zelina aura les moyens de marquer un but. Mais je vois quand même Marseille l'emporter avec un petit but. Alors, petite parenthèse, ça s'est vu hein, contre Guingamp qu'il avait fait du turnover, notre ami Deschamps. C'était pas tout à fait le même niveau. Non, je crois que Marseille va l'emporter pour une bonne raison, c'est qu'ils vont bien commencer un jour à bien jouer. Parce que pour l'instant, ils gagnent en jouant, mais parfois même mal. Donc là, j'espère que le niveau de jeu va s'élever et ça devrait suffire pour battre Zelina, ouais, qui est quand même pas une terreur. Quoi, j'espère qu'un jour, Marseille arrivera à trouver l'équilibre entre l'impact physique et aussi la technicité. Quoi. C'est ça qui, à mon avis, C'est le moment où j'avais contre Zelina, parce que ça tient un fil, leur qualification, mais c'est important pour Marseille. Donc s'ils veulent garder une chance d'aller plus loin dans cette compétition, sportivement, financièrement, c'est capital pour eux. Zelina, il n'y a pas le choix et je pense que c'est largement à leur portée. Donc pour une fois, on est d'accord. Bref, hein. Ouais.